Bonjour, comment nous? Par le Seigneur Jésus-Christ, action de grâce, nous pas de mots, nous pas de langage. À chaque fois, nous constatons que c'est la caille bon Dieu que nous sommes. Si on tourne à fond bagage bon Dieu, nous, normalement, nous n'avons pas mérité ça. Mais c'est juste une grâce que le Seigneur. Pour qui ça nous dit que c'est une grâce que le Seigneur Jésus fait nous? C'est parce que dans un premier temps, ou bien dès le début, c'est pas ça qui te rêve nous. Si je suis ce que je suis maintenant, ça n'a pas venu de famille que nous sortis. Si c'est ta famille que nous sortis pour nous titre de monde que nous avons ça que nous avons. Nous avons plutôt un bonzeur, un bandit, un gangster, etc. Ou bien un ougan, tout ça. Mais c'est parce que depuis avant même, mon Dieu t'a créé le monde, il était déjà planifié pour que le Seigneur Jodia, mon que l'IA. Malgré la stratégie Satan, le diable. Pour dans quelle mesure que tu es capable de réduire au silence. Malheureusement pour monsieur, bon Dieu, dans sa grâce infinie, dans son amour incontournable, finit par prêter nos secours et lui faire de nous, je dis, un instrument, un outil dans main. Et nous pas qu'à prendre ça pour nous vanter tête nous. Jean-Auteur l'a écrit pour dire, nous pas gagner droit à vanter tête nous. Pour rien bon qu'à fait dans nous. C'est seulement grâce le Seigneur Jésus-Christ qui permet ça. Encore nous pas bien mot pour nous présenter devant le Seigneur Jésus-Christ, mais nous remercions. Nous remercions parce que non seulement il ben nous le salut, mais il fait de nous, comme je l'avais dit, un instrument dans la main et pour l'utile royaume nian. Nous dit bon Dieu, merci pour ça. Nous comptons ouais nous matin. Hein? Moi te soif, jour ça, même l'heure mon gagne, mon rassemblement et l'église côté moyen. Et ceci c'est même sujet ça et qui va capturer, mais c'est avec un autre bien aimé frère, un autre collègue, un autre pasteur qui est dans l'assemblée, mais qui parle. Pasteur dans l'assemblée étant Saint-Marc, mais qui a pastoré dans l'autre assemblée. Dans l'autre zone qui c'est Timonette, zone 5e section, qui je dis à lui-même, a traité ce sujet ça avec la jeunesse, dans Ruel Xavier. Et nous-mêmes, nous ici, là, nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas manqué, pas béni, non. Et bon bagage que moi, ouais, là, qui vraiment apprécie, moi, c'est qui ça que lié, moi, ouais, présence pasteur, lui dort. Il y a un tel sujet qu'on ne pas traité dans l'assemblée qu'on doit diriger comme pasteur. Et c'est pas un leader dans l'assemblée qui a traité. Et vous êtes absent comme leader. Moi-même, je ne suis pas absent. Si c'est si nous avons l'autre leader sur notre assemblée. Même le moment qu'on a fait bon l'évangile, mais il y a des sujets qui sont vraiment sensibles. Ok, il y a des sujets qui sont vraiment sensibles. Si c'est lui qui a traité. Nous pas capable raison. Qui n'est pas capable raison. Normalement faire même le jeudi à l'autre leader qui n'a assemblé à la avec qui là. Nous pas bien qui est, c'est parce que tout leader dans l'église de Jésus-Christ, quel que soit à côté de l'église de Jésus-Christ, tout leader là-dedans, nous prenons même bas. Ok, l'église de Jésus-Christ, nous-mêmes, nous toujours rencontrer et puis nous discuter sur une série de points doctrinales. Avec son enseigné, ou quoi dans n'importe l'autre leader, il mettait dans l'église de Jésus-Christ, c'est même bagage que nous croyons. Croisez à vous, l'église de Jésus-Christ dans Haute-Saint-Marc, dans Timonette, dans Saint-Marc, c'est même bagage que nous croyons. C'est même bagage que nous croyons.
c'est après nous n'avons aucun problème pour nous quitter le leader qui a pastoré dans l'église de Jésus-Christ dans l'autre zone et faire formation ça. Moi, béni le nom de Dieu, ça a montré que le pasteur Ludo a un sens de responsabilité. Ok? C'est bien ça, c'est à féliciter. Nous avons une action de grâce pour ça. Nous allons parler. Document qui n'a pas là, si nous avons parlé de même capable, parler, fin parler de premier page là, je dis, hein, voir bon ta fini, avec du tout, mais nous avons fait tout ça qui dépend de nous pour nous, et bah, ça qui est plus essentiel, yo, et ou même la caillou, ou capable normalement continuer à lire le document. Hein, et puis, si vous avez un ensemble de questions à travers le document qui est dans mon nom, même le roman va être là, vous avez déposé, toutefois, vous avez déposé, vous avez toujours posé avec le leader de l'église, là, photo là, et vous capable. Si vous-même tout a dit, yo, bon, c'est pas moi qui fais séminaire là, c'était pasteur Wesselin, rejoignez vous proposer, vous capable de vous proposer, moi, question. Et bien, on a parlé là, sur chaque point, on finit de parler. Vous avez posé des questions, vous avez intervenu, vous avez toujours intervenu normalement parce que nous voulons clair, nous voulons comprendre ce qu'on fait. Ok? Je pense que nous comprenons. D'accord, les gars? Jeudi, c'est 18 mai 2023. Pour nous, les Haïtiens, c'est un jour, on dit c'est une date qui gagne un paquet d'importance. Est-ce que vous êtes capable de rappeler, moi? Et qui ça qui est passé dans la date ça 18 mai qui c'était 1803 qui ça qui est passé dans tout ça on va aller peut-être qu'il y en a là qui c'est professeur qui c'est étudiant, qui c'est élève. On pense que l'histoire, même là, nous faisons mal, nous ne pas apprendre nos histoires, nous vrai. Pendant qu'il y a d'autres pays qui ont une histoire nous, mieux que nous. Okay? Par exemple, la France, Canada, ont une histoire d'Haïti mieux que les Haïtiens. On dit français qui a expliqué l'histoire de la Bible basse. On Canadien qui a expliqué l'histoire de la Bible basse. Bon, même professeur qui a fait histoire, là, qui a fait cours là, a bien compris l'histoire là. D'après chaque classe ou parce que j'ai un professeur qui dit un bagage différent. Au final, on raconter qui ça vous est, qui ça pas. Ok? Date ça, c'était une date qui était une date marquante pour nous les Haïtiens. Ça peut passer dans 18 mai 1803 et l'église. Hein? Et là, on va vous parler. Comment est-ce que tu as parlé, tu as dit, allez? Et bah, pas histoire, on nous fait. C'est ça, je sais pas. C'est ça qui va faire. Hein? Eh, c'est pas le bal. Je vais là. D'accord, mon Dieu, bénis-nous. Sujet n'a pas traité pour aujourd'hui. Il va contraire avec normalement ça nous joigne comme invitation. On dit. Thème de Banon, c'était un thème là, c'était une jeunesse motivée par la prophétie de sa destinée. D'accord? Je pense que ça, sujet normalement est là, c'est toujours destiné. Mais bref. Nous avons parlé de destinée. Destinée, il y a plusieurs connotations. L'on lit normalement. Non. Daniel, chapitre 12, si je ne m'abuse pas, verset 2, il explique que il y a deux grandes destinées. Il y a une destinée. Selon Daniel là, deux grandes destinées, mais qui c'est deux destinées éternelles.
Dans Daniel, il montre que il y a un cabré ressuscité, dans si là qui a dormi, il y a un cabré ressuscité pour la vie éternelle. Et il y a un qui a ressuscité pour la honte éternelle, c'est l'enfer éternel. Mais là, nous parlons de destinée, nous avons dit que c'est Lyon Bagay, on dit, mon Dieu, le créateur de toutes choses. Le créateur de toutes choses, lui-même, normalement, voulait pour vous-même. Et puis même avant que vous ayez fait, depuis avant même que tu es fait, bon Dieu, en tant que le Créateur, lui-même était destiné, en dit, il était décidé sous la vie, tel bagage doit arriver. Ça a été destiné. Par exemple, bon Dieu dit que comment un tel comme une telle, moins vrai dans la famille, c'est lui qui doit gagner plus connaissance intellectuelle. Ça depuis avant même que mon en fait, mon Dieu a choisi le tel comme ça. Ou bien mon Dieu dit, c'est avec un tel à marier. Un tel a fait deux petites après venir marier. Un tel a brûlé sans petite après venir marier. Un tel a bien assez pour le vivre. Un tel a dépendu de monde. Bon Dieu qui a destiné, bon Dieu qui a choisi depuis même avant mon fait, pour dire que le un tel vient sous la terre, mais qui type de monde qui arrive. C'est sa destinée. Destinée, c'est ça, bon Dieu, voulait ou yéa. Ça, bon Dieu, décidé pour yéa. Ça, bon Dieu, choisi pour yéa. Ça, c'est destiné. Le on a gardé, surtout dans le livre des Corinthes, surtout en 1 Corinthiens, chapitre 7, nous voyons que l'apôtre Paul écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit pour dire que chaque garçon est madame, chaque femme est mari. Il a dit chaque femme est mari, chaque garçon est madame, ça c'est destiné aussi. Je n'ai étudié la Bible aussi, il dit car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Il a dit projet de paix. Encore c'est destiné. Encore c'est destiné. Parmi tout ça, mon Dieu est destiné pour moi à voyer. C'est une de nos Wachita, Souli, nous n'en plus parler. Et ceci m'y garantit que le Seigneur Jésus-Christ, dans sa grâce infinie, a prêté un secours, a aidé nous, a assisté nous, et que nous ne regrettons pas comment ça que nous avons passé là. Sujet n'a traité matin, non vite pour nous traiter matin, hein, c'est bien. Si vous regardez dans le document qui est dans mon nom, c'est qui ça va lié, la va lié. La volonté de Dieu dans le choix du conjoint. C'est volonté bon Dieu dans la question relation sentimentale. Ça est extrêmement important, nous en tant que chrétiens, nous en tant que disciples de Jésus-Christ. Nous, en tant que monde qui certainement va dans le ciel, oui, certainement, parce que quand on parle de chrétien, nous voulons dire que monde qui est préparé, monde qui est disponible, monde a fait déjà arrangé pour aller dans le ciel. Ok, c'est ça, chrétien. Nous avons besoin de connaître que l'important, normalement, type de monde qui a fait vivre avec là, c'est monde exactement. Que bon Dieu veut pour nous. Il en a de même pour nous en tant que chrétiens, après études classiques, nous, là, nous finissons terminer études classiques. Avant même que nous rentrions dans l'université pour nous choisir, pour nous dire, bon, on va faire deux facultés en même temps. Il est plus sage pour nous connaître quelle est la volonté de Dieu. Peut-être, vous avez décidé de dire après études classiques, moins. Moi, j'ai décidé d'aller dans la médecine. Pourtant, c'est pas ça, mon Dieu, t'aimerait. Ou qu'a décidé, après un truc classique, ou, pour aller dans le droit. Pourtant, c'est pas ça, mon Dieu, t'aimerait. Ou besoin, en tant que chrétien, faire exactement ça, mon Dieu, t'aimerait. Et c'est là ça réussit. Puisque la Bible déclare, dans le livre de Jean,
Jean chapitre 15, verset 5b. La parole de Dieu nous dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous tout qui l'avait fait deux jours l'école, Jean nous a dit qu'il m'a dans le coup. Ah ouais? Nous comprenons ça, ça veut dire rien. Rien reste et demeure rien. Sans bon Dieu, nous pas qu'à faire rien. Même le monde acclamé, le monde osé dire que ou intelligent ou intelligente, l'on font bagaille sans bon Dieu, monde osé dire que ou réussi. Même l'on t'a ri, que l'on t'a content. Mais nous maintenant, sans mon Dieu, en tant que chrétien, nous ne pouvons pas réussir. Donc, nous avons assez de textes bibliques qui vont nous laisser passer, qui vont nous, on dit, garantie pour nous parler sur ce sujet, ça, qui c'est la volonté de Dieu dans le choix du conjoint. Ça, mon Dieu voulait, comment mon Dieu voulait, en tant que chrétien, normalement, si nous t'avons rentré dans le lien du mariage, si nous t'avons gagné un partenaire, nous t'avons gagné un ami très rapproché, gagné une façon pour sa fin, comme chrétien. Et n'oublie pas, en tant que chrétien, mes frères et sœurs en Christ, tout ça a fait, vous devez gagner, laisser passer. Bon Dieu. C'est ça qui importe. Maintenant, vous voyez le document qui est dans mon nom. En nous garder. Parce que c'est là-dedans. Nous allons parler. Ça qui est arrivé. Ou elle nous sauter quelques pages. Pour nous tomber dans l'autre page. C'est ça nous voulons faire passer en termes de message. Là. Qui permet ça. Et c'est un document tout. Normalement. Qui a plusieurs personnages. Qui. Bah, apprendre à parler là-dedans. Et c'est ça. Leur préparer un document, pour parler de vous-même seulement pour chita, inspiration, c'est inspiration pour vous. Mais il faut consulter d'autres personnages qui écrivent eux-mêmes sur le sujet aussi. En allez, la volonté de Dieu dans le choix du conjoint. La volonté de Dieu, un principe fondamental. Il y a une réalité indiscutable. Dieu dirige ses enfants et il sait leur affaire connaître sa volonté. Quelques exemples à travers la Bible en ce qui concerne de quelques personnages que mon Dieu lui-même a choisi de diriger et montrer aux volontés. Il y a nos livres maintenant. On dit que la volonté de Dieu, c'est une réalité indiscutable. Ce que moi, avant, nous n'avons pas discuté sur. Même si nous avons un grand parleur, un grand débatteur, un personnage qui bon en fait logique, ou pas qu'à faire aucune logique, ou bien, ou pas qu'à remplir en face aucune volonté. Bon Dieu, normalement, bon Dieu connaît comment pour lui faire petit lio, petit moun lio, connaît volonté. Bon Dieu habitué fait, moun gap marche avec lui, connaît volonté. Même j'ai un auteur qui écrit pour dire que prends volonté, Seigneur. Premier bagage que moi avoir besoin connaît. Si vous avez besoin qu'on ait volonté, mon Dieu, dans la vie, oh. Premier bagage vous avez besoin de faire, vous avez besoin de faire mon Dieu volonté pour vous-même. Tendez bien, suivez-moi bien, et puis vous nous apprenez quel type de question nous devons poser. Si vous avez besoin qu'on ait volonté, mon Dieu, dans la vie, oh. Si vous avez besoin qu'on ait ça, mon Dieu, voulez dans la vie, oh. Première chose à faire, vous avez besoin de faire mon Dieu. Volonté pas. Si vous avez besoin qu'on ait volonté, bon Dieu, c'est remettre bon Dieu, volonté pas. Si vous n'êtes pas d'accord, remettre bon Dieu, volonté pas, ou attendez, monde qu'on ait volonté, bon Dieu.
Ou attendez moun a marcher dans la volonté de Dieu. Mais ou même ou pas rentrer là-dedans. Écoutez bien mes frères et sœurs en Jésus-Christ. La question volonté n'a parlé là. Il y a plusieurs niveaux dans la volonté bon Dieu là-dedans. Il y a des personnages, des hommes de Dieu qui dit que il y a trois volontés de Dieu. Il n'y a rien qui dit deux volontés de Dieu. Qui c'est trois? Qui c'est deux? Je suis d'accord avec vous. Pour comprendre pourquoi ça me d'accord avec. Qui volonté que vous avez? Il y a la volonté absolue de Dieu. Il y a la volonté permissive de Dieu. Et il y a la volonté relative de Dieu. C'est quoi la volonté absolue de Dieu et la volonté relative, la volonté permissive de Dieu? La volonté absolue de Dieu, c'est ça, bon Dieu lui-même. Il n'y a rien dans le programme ni pour faire pour ça, bon Dieu voulait. Ça, bon Dieu voulait faire pour moi. Ok, allez. Ça, bon Dieu voulait. Bon Dieu voulait feuille blanche. Ça, vous, ou d'accord, vous rentrez là-dedans. Ça a réglé la volonté absolue de Dieu. Bon Dieu voulait feuille blanche. Ça, vous, ou pas d'accord, son feuille jaune ouvrée. Bon Dieu dit non ma fille, non mon garçon, ces feuilles blanches l'amblée pour vous. Ou dit non mon Dieu, ces feuilles jaunes l'amblée, ces feuilles noires l'amblée. Avant tant de discussions, mon Dieu, bon feuille ouvrée. Ça fait partie de la volonté permissive de Dieu. La volonté relative de Dieu, c'est qui s'appelle. Ces bagailles, côté que bon Dieu, il va dans le programme la vie pour mon Dieu te barre. Mais on tellement servi mon Dieu dans une dimension où entrer, ou toucher, ça qui est l'intégrité, parce qu'il y a la différence entre la fidélité et l'intégrité, l'on aller au-delà de. Fidélité, l'ibine par relé, fidélité encore, l'irélé, intégrité, qui pas péché, qui c'est ça, bon Dieu, lui-même, d'accord. L'on touche l'intégrité, ou mettre bon Dieu dans une situation pour bon Dieu rentrer dans la souveraineté. Là. Souveraineté, bon Dieu, c'est qui s'appelle. C'est deux bagages que bon Dieu lui-même choisit par où, qui va dans le programme la vie. Et des fois, bon Dieu choisit par où, des fois mon Dieu choisit Baoul, lui ou même ou pas d'accord. Par exemple, mon Dieu bon, le premier machine, la volonté absolue, lui bon, la deuxième machine, la volonté absolue, lui bon, la troisième machine, la volonté absolue. Là. Ou tellement servi mon Dieu dans la droiture, mon Dieu choisit, la bonne quatrième machine, il dit, ah bon Dieu, il y a trop de machines déjà, je n'ai pas besoin de machine encore, il dit, je n'ai pas besoin de machine encore. Ça a les volontés relatives. C'est sa volonté relative de Dieu. De bagages ou pas vraiment en nécessité, ok? De bagages qu'on pas vraiment en nécessité, ou pas en besoin. Mais même là, on va bien besoin, bon Dieu choisit Baoul. C'est ça la volonté relative. Vous voyez tous les trois volontés, non bon? On dit, plutôt, de la dernière, bon. De la dernière. Volonté relative, volonté absolue. Encore, on va continuer pour me dire que n'importe jeune fille, jeune garçon, ou bien n'importe monde qui attendait là, qui t'a voulu qu'on ait volonté, bon Dieu, premier bagage que je veux faire. Lui-même, c'est remettre volonté, bon, volonté balle, non mais bon Dieu. Ok. Il y a une
réalité indiscutable. Dieu dirige ses enfants et il sait leur affaire connaître sa volonté. L'icône qui a voulu faire connaître volonté. Pas bien au monde qui a servi mon Dieu, qui échoué dans un domaine dans la ville, qui a osé accuser mon Dieu pour dire que c'est parce que mon Dieu va te parler avec qui permet que lui échoue. Ça peut arriver. Bon Dieu parler avec, malheureusement pour lui, il ne peut pas comprendre si c'est bon Dieu qui parlait avec. Bon Dieu ne va jamais quitter aucun dans petit lio. Prenons route côté que le web va échouer. Pour au moins même un jour, il va essayer de dire non. Suspend avancer sur le chemin pour hier. Parce que devant piégé. Ça va arriver, bon Dieu dit, ou devant piégé. Ou pas connaître ça, bon Dieu dit ou là. Ou pas en mesure pour te connaître. Est-ce que c'est mon Dieu qui parlait avec vous? Ou avant ça échoué? Le comme ça, c'est pas mon Dieu qui la cause. C'est vous-même qui va en mesure pour t'étendre ça, bon Dieu dit. Nous t'ai déjà dit que vous avez quelques exemples à travers la Bible des hommes de Dieu côté que qui eux-mêmes ont choisi faire volonté, mon Dieu. Premier monde, nous capables d'apprendre. Le premier personnage, c'est bien Abraham. Abraham, quand il devait quitter sa terre natale, le serviteur d'Abraham, quand il devait chercher une femme à Isaac. En Genèse, chapitre 24, on va retourner sous texte. Ça, Moïse et le buisson ardent en Exode chapitre 3 verset 2. Gédéon et la toison d'or en Juges chapitre 6 verset 37 à 40. Néhémie et la reconstruction des murailles de Jérusalem. En Néhémie, chapitre 2, verset 12. Philippe et le nuque éthiopien. En Acte des Apôtres, chapitre 8, verset 27 à 30. Paul sur la route de Damas. Paul, lors de ses voyages missionnaires, en Acte 16, verset 5 à 10. Quelques versets clés. En enfant, tu vas là, avant de rentrer dans quelques versets clés. Nous avons plusieurs personnages bibliques. Plusieurs personnages bibliques. Mon Dieu t'a fait connaître. Volonté. Abraham, c'est premier personnage. Deuxième personnage que l'on voit, c'est Eliezer, serviteur Abraham. Non? Dans le moment côté que Abraham a besoin de madame pour Isaac. Troisième personnage que l'on voit, c'est Moïse. Bon Dieu, on est volonté. Quatrième personnage, c'est Néhémie. Et cinquième personnage, nous, c'est l'eunuque éthiopien. Sixième personnage, c'est l'apôtre Paul. Et nous sommes capables de considérer d'autres encore mais nous avons là dans six personnages. Tout le monde sait, c'est le monde que mon Dieu t'a relé pour un travail spécial, pour une raison spéciale, dans une période spéciale. Mais bon Dieu va quitter dans le noir. Bon Dieu t'a montré normalement qui ça yo doit faire. Qui position que yo doit gagner. La parole de Dieu nous déclare. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qui veut dire, même bon Dieu qui était là hier, là,
c'est lui-même qui l'a dit. Et ceci, c'est lui qui a toujours là. Bon Dieu, m'a jamais changé. Comme petite fille, à petit garçon, mon Dieu, Dieu tient à ce que tout ça va faire lui-même pour le montrer au chemin pour prendre. En nous considérant un texte biblique, pour qui vient Bible, en nous lit avec moi, s'il vous plaît, Hébreu, disons mieux, Proverbe, chapitre 3, verset 5 à 6. On nous lit pour moi, Proverbe, chapitre 3, verset 5 à 6. Proverbe, on va venir après, Psaume, dans l'Ancien Testament. On qui joue un livre pour moi, craper pour l'île, pour moi, s'il vous plaît. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Mais reconnais-le. Le qui ici, c'est Jésus-Christ. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Qui sa texte, ça a dit en bon créole. Pas appuyer. Pas quoi, pas faire tes crédits sur ça que vous connaissez. Mais dans tout ça, enfin, mettez mon Dieu là-dedans. Mandez mon Dieu laisser passer. Et lui-même la montre au chemin ou grand. Dans toutes sortes, reconnais-le dans toutes tes voies. C'est ça la Bible a dit. C'est pas dans quelques. C'est pas en grande partie. C'est dans toutes tes voies. Reconnais Jésus-Christ. Vous, en tant que chrétien, dans toutes vos voies. Reconnais Jésus-Christ dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Maintenant, on va continuer. Qui ça? Nous voyons quelques versets bibliques, quelques versets clés bibliques sous question que nous avons parlé là. Témoin libre vous-même parce que vous écrit un document qui n'a même pas. Je l'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. À vous prendre, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Selon Psaume, chapitre 32, verset 8. Il conduit les œuvres dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voix. Psaume 25, verset 9. Le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Proverbe 16, verset 9. Il est fondamental d'être absolument convaincu que Dieu prend la responsabilité de faire connaître sa volonté à ses enfants qui lui demandent. Écoutez bien, vous devez connaître la volonté de Dieu dans telle ou telle situation, n'est-ce pas? Vous devez connaître qui chemin qu'on doit emprunter. Vous devez connaître qui côté on doit aller, qui sort de dire, qui sort de battre en termes de réponse dans la situation qui présente le monde. Ou pas de rester bouche adéquate. Pas de tes bouches, B, sans rien dire. Allez directement vers Dieu. Mandez mon Dieu, moi trouver dans telle situation, que dois-je faire? Sous le raison qu'on est ça vous fait. Vous pouvez demander mon Dieu qui ça vous fait. C'est très, très important. Mes frères et sœurs, en Jésus-Christ, il faut apprendre à demander mon Dieu qui sort de faire. Quand on tourne vers lui, les regards ont mes rayonnants de joie et le visage ne se couvre pas
de honte, selon Psaume 34, le verset 6. Cette forte assurance permet d'être certain qu'à partir du moment où l'on demande au Seigneur de nous diriger, ou de nous montrer sa volonté sur un sujet, il le fera. Bon Dieu, pas plutôt dans le noir. L'on m'a dit, bon Dieu, dans tel sujet, dans telle circonstance, qui ça pour faire? Bon Dieu, pas plutôt pour contre. La Dieu, normalement, ça pour faire. Vous avez continué à lire pour elle, et puis pour nous capables de continuer à parler. C'est une promesse, une vérité biblique. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Selon Jérémie 29, versets 11, 13. Une fois ce principe acquis et établi dans nos cœurs, il en ressort certaines conséquences à pratiquer par, disons, pour les enfants de Dieu. Il ne doit pas avoir peur d'être sur une mauvaise voie. Une fois encore, s'il a pris le soin d'abandonner le domaine au Seigneur, il n'est pas impatient s'il n'a pas encore de réponse. Une chose est sûre, Dieu répondra. Quand Dieu lui montrera sa volonté, Dieu fera lui-même en sorte que son enfant sache sans l'ombre d'un doute qu'il est en train de se manifester à lui-même. Maintenant, à nous, comment connaître sa volonté? Comment connaître la volonté de Dieu? Nous sommes parlé en l'air de la volonté de Dieu. Nous devons rappeler ça. Dieu prend la responsabilité de nous faire savoir sa volonté quand sa volonté. Quand je. Ok. Quand ça n'a pas besoin, maintenant, ce qui est important pour nous, c'est que bon Dieu toujours prend responsabilité, là, normalement, pour le faire nous connaître, ça a livré pour nous-mêmes. Il a posé une question avec toute la jeunesse, Église de Jésus-Christ, demande fort. Combien de gens qui sont habitués à expérimenter la volonté de Dieu dans la vie? Si vous êtes là, essayez de lever mon monde d'accord. Si vous êtes habitué à expérimenter la volonté de Dieu dans la vie, est-ce que vous êtes là, dans la vie, levez même. Est-ce que bon monde là qui est habitué pour un bagage, qui est habitué pour une décision, levez-moi en bas. Par exemple, quand on a pris une décision, pas aucune décision, nous avons seul monde. Donc il y a deux mondes. Après ça, par exemple, nous avons comme bonne décision. Il y a trois mondes, quatre mondes, comme bonne décision. Par exemple, nous avons comme bonne décision. Dans le monde qui est habitué à prendre décision, est-ce que nous avons prendre du temps dans la décision que nous avons pour nous demander dans Dieu qui ça a décidé, qui ça a fait.
Hein? Est-ce qu'on est habitué dans des bon Dieu qui ça voulait, qui ça a décidé dans la décision à prendre? Pas bien. Moi qui vais habituellement des bon Dieu décision dans la volonté, levez mon bon moyen. Va dire le petit doigt, dit levez main pour moi s'il vous plaît, levez mon droite. Ok, on va descendre. Est-ce que nous entendons mon Dieu qui dit non, mais ça vous fait, mais ça vous pas faire. Si vous avez levé mon bon moyen. Nous avons dit. Des mondes seuls. Toi. Ok, toi. Eh bien, vous me levez, vous me battez le petit doigt. Ok. Vous pouvez lire avec moi pour nous lire Jérémie 33, verset 3. Jérémie 33, verset 3. Lisez-moi un mot qui est pas hein, Jérémie 33, verset 3. Font-y parler plus fort. Ok, invoque-moi et je te répondrai. Ok? Je t'annoncerai de grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Relève, ma répondre, et m'a annoncé non. En pile bagaille que nous ne connaissons pas. Comme chrétien, pas jamais oublié et pas jamais porté négligence. Dans le moindre détail, ou en fait, ou besoin de gagner le mot de Dieu. Lis avec moi Jean chapitre 15, verset 5. Jean 15, verset 5. Je suis le cèpe. Vous êtes les sarments. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi. Et en qui que je demeure. Porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le contexte que nous avons déjà fourni, nous avons demandé de l'accord. C'est bien Proverbe 3, verset 5, 6. Et puis, le texte encore la mandolée, c'est bien Esaïe chapitre 30, verset 1. Il y a des textes qui m'ont pas nous là, au cas où il y a un document qui n'a pas. Parce que tout autant m'a parlé là, il y a des textes qui ont monté dans l'esprit et qui accompagnent le sujet à continuer là. Malheureux, il est aux enfants de l'homme. Allons-les pour avant Proverbe là. Proverbe chapitre 3, verset 5 à 6. Proverbe 3, verset 5 à 6. Allez. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Maintenant, Esaïe 30, verset 1.
Malheur, malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Ah, c'est bon Dieu qui a parlé. La question de choix, ou mboko chita, sous question choix, yon partenaire, choix, yon conjoint, choix, yon conjointe, mboko chita sous ça. N'a pas un choix dans l'ensemble. En tant que chrétien, tout ça va faire les sages pour gagner le mot de Dieu, ou bien gagner laisser passer de Dieu. Bon Dieu n'a pas seulement apprendre que l'autre semaine où elle voyager comme chrétien passage. C'est apprendre, mon Dieu, apprendre de rester ses marques. Et bien pour nous là, où était pour Autopresse. C'est apprendre, mon Dieu, apprendre ou de rester ses marques. De la demander pour un tel, il dit un tel bonaïve. Dit passage. Comme chrétien, normalement, tout soit fort besoin de mon Dieu là-dedans. Même l'autre est dans le besoin. Ou venant Dieu, ça m'a tout voulu dire que pour demander mon Dieu qui s'abandonne. On a Esaïe 30 que nous sommes là, il dit malheur, dit l'Éternel. Il vient dire malheur et puis identifier pour dire qui est-ce qui dit malheur. Pour ne pas dire que son sept monde qui dit. Son prophète qui dit, l'identifié, il dit l'Éternel, aux enfants rebelles, il y a une rébellion, son monde qui prend position contre, il y a un monde qui est supérieur par rapport avec lui. Son monde qui a riposté contre, il y a un bagaille quelconque qui que t'a supposé d'accord. Son monde qui n'est pas d'accord, il y a un bagaille que t'a supposé d'accord. Son monde qui a rebellé contre. Il y a un chef qui sous tête lui, normalement. Aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour faire quoi? Pour accumuler péché sur péché. Ce qui veut dire, l'on fait mon premier péché, l'on fait bagage sans mon Dieu, il est déjà en péché. Ok? Leur rentrer, leur entamer une relation, qui était une relation amicale, qui était une relation au niveau de travail, partnership, etc. Quel que soit type de relation que d'ailleurs, une relation sentimentale, quel que soit type de relation que d'ailleurs, immédiatement fait ça, mon Dieu, c'est déjà un péché. À cause de péché, ça, selon. Romains, si je ne m'abuse pas, Romains chapitre 8, il dit que le péché engendre le péché. Puisqu'on déjà font bagaille, sont pas mettre mon Dieu là-dedans, sont pas inviter mon Dieu là-dedans, sont pas bailler mon Dieu doit légal là-dedans, sont pas demander mon Dieu qui sont de faire là-dedans, c'est déjà un péché. À cause de péché ça, qu'on a déjà fait, ça permet de continuer à faire péché. Et l'heure pour ça, on va être en face. Bon Dieu direct que bas. Nous avons trois niveaux de volonté. Nous avons la volonté absolue de Dieu, la volonté permissive de Dieu et la volonté relative de Dieu. Tout le monde ramène la volonté absolue de Dieu, la volonté relative de Dieu. Mais actuellement, de plus monde qui vivent de la volonté permissive de Dieu. Qui danger, qui malheur, qui gagne de la volonté permissive de Dieu, c'est que situation on trouve là-dedans, sans faire, sans yéa, mon Dieu pas de trop droit légal pour défendre là-dedans. C'est ça qui va permettre que vous souffrez en pile. Ça va bien ça me dire. Ça, c'est pour la volonté permissive de Dieu.
l'on rentre dans la volonté permissive de Dieu, ou mettez des notes dans le bon Dieu, ou mettez en tête dans le bon Dieu, ou mettez la tête dans la bouche bon Dieu. Pour qui ça? Pour empêcher mon Dieu parler, pour empêcher mon Dieu agir. Et situation là-dedans, puisque mon Dieu pas qu'à agir là-dedans, eh bien, ça a la cause que vous souffrez en pile. En pile, mon avis, volonté permissive de Dieu. Mandez-vous, Yadou, qui ça y apprend. Maintenant, allons chita directement dans la question choix de Dieu. Question conjointe. Question yon fiancé. Question yon partenaire. Question yon monde qui va faire vivre avec. Dans mes jeunes, yon fille. Yon garçon qui capte qui dit comment comprendre le choix de Dieu. Et comment comprendre un monde a choisi un partenaire pour faire ville avec lui. Nous besoin yon fille, yon garçon qui capable de parler dans sa salle. Nous même s'il vous plaît. Mes amis, faut qu'on pas peur pour parler. Donc, ne pas peur de poser des questions. Bon, c'est qu'un bon monde nous a fait noël. Son monde nous a dit si ouais avec. Je dis à ce babou, j'ai m'approché de ces conférences. Et qu'il pensait que, car tel qu'on a mis sous chair là, on parlait, c'est pas lui, nous revenons là matin. Là, on est bizarre. Ok. Et bien, nous, on est son mouton, son mouton, on est son bleu sucré. Mais les gens qui sont là, on est son honte à son aussi. Son la loi, etc. Maintenant, on va parler. On vit en garçon. Si on va aller dans la choix. Si on va aller dans la choix. Quand tu es obligé de comme garçon, pour choisir. Comme si on est obligé de comme tout, on prie pour choisir. Et les femmes d'abord, même devant la mort et les dépenses. Et la dépense. On a vu, si on comprend, choix de Ok. Ouvrez-vous avec moi dans Genèse 2, verset 24. Le choix du conjoint. Genèse 2, verset 24. On m'en lit pour moi, c'est bien. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. C'est pourquoi l'homme quittera son père
et sa mère et s'attachera. Et ça qui belle là, dit les deux deviendront une seule chair. Qui te m'allons devoir pendant mon chita là. Toujours dans Genèse 1, dans Genèse 2. Cherchez verset ça qui montre que le bon Dieu fait Adam dormir, libre en côte là, il fait femme là. Son devoir. Moi, ils ont fait mal. Pendant, dans l'autre monde, a campé pour moi, pour lui, normalement, Genèse, chapitre 24. Parce que l'on parle comme chrétien, vous êtes venu? Ok. L'on dit que tu as fait des voix, l'île pour moi. Alors, l'Éternel Dieu fut tombé. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. L'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Tenez bien les gars. Il s'endormit. Il prit une de ses côtés. Et referma la chair à sa place. Continuez. L'Éternel Dieu forma une femme. De la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il amena vers l'homme. Pendant que je t'en mets les parties pour politique là. Ça l'homme dit. Et l'homme dit. Voici. Cette fois. Celle qui est os de mes os. Et chair de ma chair. On l'appellera femme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Ok. Genèse chapitre 24. En mon nom. Prenez croix pour moi, s'il vous plaît. L'île, parce que on va prendre un bon petit temps pour l'île. Genèse chapitre 24. Pas de ma fonte levée à le faire. Non. Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham et tout, en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mets ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudrait-elle pas me suivre dans ce pays-ci. Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 charmeaux parmi les charmeaux de son seigneur et partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie à la ville de Nakhor. Il fit reposer les charmeaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, l'Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie,
Je rencontre aujourd'hui ce que je désire. Et puis de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau. Et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je donnerai penche ta couche, je te prie pour que je boive et je répondrai, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu puisses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa couche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nakor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge. Et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa couche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta couche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa couche. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'il ait assez d'eau. » Et elle s'empressa de vider sa couche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regarda avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et deux bracelets du poids de 10 cycles d'or et il dit, « De qui es-tu, fille? Dis-le-moi, je te prie. Il y a dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? » Elle répondit, « Je suis fille de Bethuel, fils de Milka et de Nakor. » Elle lui dit encore, « Il y a chez nous de la paille et de fourrage en abondance et aussi de la place pour passer la nuit. » Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel en disant, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. » La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Rebecca avait un frère nommé Laban, et Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur. Il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur. Merci Jésus. Nous gagnons deux textes que nous faisons lire là, qui prenons toute liberté d'abord pour nous parler. Ces deux textes que nous joignons dans l'Ancien Testament, surtout en Genèse, Genèse 2 et puis Genèse 24. Texte que nous avons lu avant yo, par exemple, Jean chapitre 15, verset 5, et Proverbe chapitre 3, verset 2, et puis Isaïe 30, verset 1er. Jean 15 a montré que tout ce qu'on fait ou pas qu'on fait, ça mon Dieu, en tant que chrétien. Dans le proverbe, il a montré que tout ce qu'on fait au résumé de mon Dieu, là-dedans, lui-même, il a montré le chemin ou pas. Et ça me permet que nous notons très bien, il n'a pas dit qu'est-ce que ça a fait. Il dit dans toutes tes voies. C'est important. Maintenant, on va retourner en Genèse. Genèse chapitre 2. La parole de Dieu lui a enseigné que après, mon Dieu fin créé toute bagaille, les arbres, la mer, les sources d'eau,
Ok, les étoiles, les astres. Après, il a créé tout ça. Et bon Dieu a créé l'homme. Garçon. Et bon Dieu, my garçon, qui c'était Adam, ils ont certaines capacités côté que c'est Adam ça qui va non avec toute bête yo. Et bête yo a passé père par père devant Adam. Si c'était moi qui était Adam, moi t'as senti normalement. Mais qui ont vide, l'homme garde moi cheval, qui est pareil, moi Anna, qui est pareil, moi poule, qui est pareil, moi chabette, qui est pareil, moi-même tout m'a senti comme dans le besoin pareil. Le nous étudier l'idée texte là, esprit texte là, nous finissons par découvrir que bon Dieu fait comme ça, c'est juste pour le cas. Pour qu'à motiver la Adam, mais pour qu'à susciter la Adam, il y a un désir pour que Adam besoin au monde au pareil aussi. C'est pour dire que bon Dieu toujours voulait bien pour nous. Dans toutes circonstances, dans toute situation, le feu de Dieu, la volonté de Dieu, c'est au moins avoir à faire succès, c'est au moins avoir réussi dans la vie comme ça doit. Regarde-toi ma vie. Rapide à l'île, texte l'a dit, Adam trouvait dans le besoin. Adam a nécessité pour le gagner au monde bon côté, pour le monde pareil. Et mon Dieu a nécessité aussi. Qui compte Adam à vivre les bizarres? Dans un lieu. En Éden. Ok? On lieu en Éden. Bon Dieu t'a relé paradis sur terre. Et pas de jardin qui t'a relé Éden. C'est lieu là. C'est même dans l'église de Jésus-Christ de Bonnefort. Ok? Lieu a été relé Éden. Jardin a été en Éden. Adam va te manquer rien. En termes de nourriture. Adam en termes de relation là. Bon Dieu d'ailleurs. La Bible nous dit que. C'est chaque jour mon Dieu passe où est Adam. Et Adam a tout ça, il a besoin pour le manger. Adam a une rivière qui est subdivisée en quatre parties qui passe dans le jardin. Adam n'a pas privé de rien. D'ailleurs, c'est lui, mon Dieu, qui a un mandat pour cultiver la terre. Adam est bien. Mais Adam a un vide parce que nous pas de gagnant. On a un personnage qui peut accompagner. Le bon Dieu garde vide, ça a la caille Adam. Ça, mon Dieu fait en tant que le Père responsable. Bon Dieu permet que Adam dorme. Il plonge Adam dans un profond sommeil. Texte l'a dit, un profond sommeil. C'est pas un sommeil léger. C'est pas un sommeil paradoxal. C'est un profond sommeil. Adam dormi, tête perdue. Ça, mon Dieu fait. Par la suite, bon Dieu, par contre, qui s'appelle le début là, pour défendre contre Adam, il retire une côté et puis il fait femme. Non. Analyse. Analyse logique qu'a fait. Pour qui raison, bon Dieu lui-même, pas fin fait femme, non, et puis il tout quitte le beaucoup d'Adam. L'on lit texte là, faut on va là. Texte là dit, mon Dieu, mène femme là, by Adam. Est-ce que nous avons la ça? Pour qui laisse mon Dieu faire femme là? Ou Adam? Ah ouais? Est-ce que tu es déjà une femme dans le jardin? Est-ce que tu es déjà deux femmes dans le jardin? Pas qu'il n'y a aucun monde dans le jardin après Adam. Pas qu'il n'y a aucune femme dans le jardin après. Et pour combien? C'était seulement Adam comme monde qui était dans le jardin. Ça veut dire, bon Dieu fait une faire femme, non? Il mettait la gueule dans le jardin, il va mettre Adam, depuis Adam, ouais, il va mettre ça, c'est pour lui. Et bien oui. Mais bon Dieu menait le bali. Bon Dieu menait femme, non, bail,
Adam. C'est pour dire que femme qui donne à moi, c'est mon domaine de là-haut. Est-ce que vous comprenez ça me dire? Garçon, nous sommes en c'est mon Dieu qui doit mettre en bas. Mon Dieu m'a doué garder dans mon lit une femme. On femme a dormi derrière d'ol. Et il n'a pas bougé pour la houle. On voit immédiatement Adam ou femme. Adam est transformé en poète. Adam est un poète longtemps. On a ces poèmes qu'a fait. Adam est un voici. Ceci, cela, c'est poème qu'a tombé. Adam, c'est premier nègre, c'est premier galant qui existait. Sam dame, nous mettons plus l'attention sur lui. Pour Dieu, par ailleurs, Ève dans le jardin. Que l'on veuille ou non, il t'a croisé quand même. Mais pour Dieu, mène le bali. Une jeune fille peut se marier, mari ou devient c'est pour Dieu que mène là-haut. Un jeune garçon doit marier si mon Dieu a marié. Ok? Parce que, et bien tout le monde, mon Dieu, il est pour marier. Ça va dans mon sac. Il y a un monde, mon Dieu, il est pour eux. Il y a un monde, c'est fait qu'il est mangé au fini et à l'ancien. Ok? Bien tout le monde, mon Dieu a marié. Mais mon Dieu a marié, c'est mon Dieu qui doit pour monde pour marier. Parce que nous, premier mariage qui fait dans le jardin d'Éden, c'est pas Adam prend elle. Si c'était Adam qui prend elle, je vous le dis, le prédicateur de l'évangile qui connaît le choix de Dieu, vous avez mêlé. Parce que mesdames, vous avez montré que c'était Adam qui prend madame. Mais si vous avez fait discussion, à l'idée de vous dire que vous n'avez pas le choix de Dieu, ça. C'est Adam qui choisi madame. Heureusement, mon Dieu va finir faire elle pour la guille dans le jardin et pour ne pas passer même pour aller passer même libre. Mon Dieu fait elle, il kembe elle dans main et puis il mène elle by Adam. Adam dit ah, ça cette fois-ci, c'est pas dans ça. Il fait avec chair, il sortit dans moi-même et si ça collabore elle, femme. Adam, je ne parle là. Adam, je ne parle là. Écoutez bien. Adam, je ne parle là. Même pas Adam, ça fait Adam, mettez Adam dos à dos à mon Dieu. Il y a un peu de monde qui habitue à poser une question, ça vous dit que, pasteur, est-ce que le bon Dieu va y avoir une fille ou un garçon, mon Dieu a divorcé? Moun sa yo ka divisé, moun sa yo ka relation ka grasé, moun sa yo ka kite ou l'autre ka yon boumè Adam tout pire tout. M'a besoin d'un perdu temps pour me prendre temps pour me répondre, m'a seulement dit oui. Oui. La parole de Dieu nous dit ceux qui demandent reçoivent. Quiconque demande reçoit. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Ça, c'est la loi de la demande. L'on demande selon le cœur de Dieu. Écoutez bien. Vous commandez pas, je vous demandez mal. Mais si vous demandez selon le cœur de Dieu, vous avez choisi ce qu'on dit. Lorsqu'il y a ce qu'on dit, il y a la gestion. L'homme de Dieu fin beau, nous mari, nous madame, maintenant il était pour gérer bien. Pour gérer relation bien. C'est dans l'ingérence qui compte permettre des coups de poing qui voyé, des enveloppes qui ont croisé, des divorces qui ont baillé. Peu de monde qui était marié, finit par divorcer. Raison, est-ce que c'est parce que bon Dieu n'a pas de capacité, bon Dieu n'a pas de puissance, bon Dieu n'a pas de autorité pour le Kembeyo n'est pas allé? Oui. Bon Dieu, quand il est allé, malheureusement pour eux, ils même ils pas géré bien ça, bon Dieu, t'es mal. En un fois, analyse qui est logique pour comprendre mieux ça, m'a dit. La parole de Dieu nous dit car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour nous donner la vie éternelle, qu'ils ont besoin de faire.
accepter le Seigneur Jésus-Christ, recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, comme Seigneur, après, est-ce que l'on fait accepter le bagage choisi rejeter? Si on rejeter, nous va rejeter sa lui aussi. Est-ce que c'est mon Dieu pour sa lui ou même qui perd du sa lui? Ou même qui perd du sa lui? Ok? Il en a de même. Pour leur bon Dieu marié au monde, c'est mon Dieu qui est marié et vous gardez au ouais, foyer écrasé. C'est pas mon Dieu qui crase le foyer. C'est monde que mon Dieu marié qui va gérer le foyer. Adam, bon Dieu marié avec Ève, bon Dieu porter Ève, bon Dieu mène Ève by Adam. Bon Dieu mène Ève by Adam. C'est pour dire que Adam a un avantage pour vivre avec Ève, mais allez. C'est un avantage que moi avoir gagné. L'homme c'est mon Dieu qui bat mon bataille. L'homme c'est mon Dieu qui m'a rié nous. L'homme Adam qui n'en même dans c'est mon Dieu qui bat moi. L'homme Marie qui n'en même dans c'est mon Dieu qui bat moi. Avantage que gagné, c'est parce que c'est mon Dieu qui baoule et sous bien géré ou à vivre avec elle, net, allez. Pour y abriter le modèle jusqu'à présent. Adam a géré. Adam a géré. Côté de la race pasteur ou dit Adam a géré. C'est parce que la parole de Dieu dit que le serpent a parlé avec Ève, Adam a coin, Adam est là. Adam a tant de conversations. Adam comme le chef. Adam comme le chef. Adam a fait pièce intervention. Adam a été quitté, serpent fin convaincre, fin séduit, disons mieux. Ève va le convaincre Adam qui mettait dans la situation. Adam est là. Premier mariage à nous, c'est mon Dieu qui prend femme qui mène bail, Adam. En nous, un deuxième texte que côté nous sommes dit là. Toujours Genèse chapitre 24. L'expliquer. Il y a un personnage, nous capable de dire le père de la foi, Abraham. Dans un premier temps qui était Abraham et dans un second temps qui vient Abraham. Bon Dieu changer nom en Abraham qui veut dire père d'une multitude de nations. Abraham, nous connaissons l'histoire, la vie d'Abraham, qui va être un petit garçon qui est l'enfant de la promesse, à savoir Isaac. Lorsque Abraham a 100 ans, le fait petit ça, et Sarai, qui était Sarai, et qui vient Sarah, qui veut dire fécondation des mères des nations. Sarai a 90 ans. 90 ans, le fait Isaac. Isaac, il est dans le moment, il grandit. Abraham, il est dans le moment, Abraham constate que il va loin aller dans le pays sans chapeau. Il va loin quitter la terre. Il va loin par Ivan. Ça passe. Abraham, tu as plusieurs serviteurs, mais il y a un qui était plus ancien, là-dedans qui c'était Eliezer. Abraham, il est Eliezer. Abraham dit Eliezer, mon garçon, mon serviteur. Moi, avancé en âge. Moi, pas loin mourir. Et là, moi, gardé, moi, Isaac, petit garçon, moi, qui t'a supposé marier, pourquoi marier? Ça me fait triste. Je suis inquiet. Mais puisque nous sommes là, ou bien, plus service déjà, je vais demander un autre service encore. Et les airs disent, me voici. Envoie-moi là-haut. Abraham dit Eliezer, pays côté ma vie là. Écoutez bien mes frères et sœurs, pays côté ma vie là. Pas choisi femme la dedans pour Isaac. Est-ce que c'est parce que pas de femme? Est-ce que c'est parce que pas de femme dans le pays? T'es de femme. Qui côté Abraham fait toute richesse lui dans le pays? Parlez bien. Qui côté Abraham habité dans le pays? Qui côté Isaac habité dans le pays? Qui côté Abraham a fait succès économique, matériel, financier dans le pays? Toute bénédiction Abraham, tout le pays.
Mais pour pas qu'Abraham besoin, Abraham pas besoin de la vie. Abraham besoin d'une femme pour petit garçon Isaac. Abraham dit, Eliezer, promets-moi que ce n'est pas ici qu'on prend femme ça pour Isaac.